Le Conseil national de l'alimentation, c'est une instance qui existe depuis presque 35 ans, qui s'appelle aussi Parlement de l'alimentation, dans le sens où c'est un espace de débat et d'échange, avec un tour de table assez unique et spécifique lié à l'objet d'étude qui est donc l'alimentation. Donc on va retrouver des parties prenantes qui représentent la société civile, les acteurs économiques, des scientifiques, l'État, les collectivités et aussi des représentants du Parlement. Il est actuellement présidé par M. Guillaume Garot. Et donc, le CNA produit des avis, soit parce qu'il est saisi de façon interministérielle par des ministères de rattachement, que sont les ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Économie et de la Transition écologique et solidaire, ou bien parce qu'il s'auto-saisit. Donc, c'est un outil qui éclaire la décision publique. Et au-delà, c'est un outil qui permet de créer une mobilisation, une dynamique des acteurs pour s'approprier, participer, développer les transitions alimentaires qui sont appelées par le tour de table. À la fois insister sur le caractère un peu nouveau de ce fonctionnement et qui peut nous rendre les uns et les autres très optimistes, ce d'autant qu'on en a plutôt besoin actuellement, parce qu'effectivement, ce partenariat peut, sur un plan purement technique, apporter au CESE l'expertise de tout le tour de table. Donc là, c'est vraiment un apport à la fois technique, pratique et la compétence de ces acteurs, au-delà de leur implication et pour certains de leur militantisme. Et puis, pour nous, au CNA, soyons clairs, à partir du moment où on travaille ensemble et où éventuellement on porte les mêmes convictions, le fait qu'elles soient portées par la troisième chambre de la République française, c'est quelque chose qui donne une dimension complètement différente. Au jour d'aujourd'hui, une fois le consensus et le vote en séance plénière effectués, chacun de nous s'engage à porter l'avis validé, à le défendre, essayer de le faire rentrer dans, en application, que ça soit effectif. Il est clair que là, au travers à la fois de l'institution CESE et de votre propre composition, ça change complètement la donne pour nous. On a partagé des constats ensemble avec des points communs, soulevés par des membres communs. On a traité de thématiques assez proches qui ont porté par exemple sur le bien-être animal ou sur les dispositifs alimentaires territoriaux. On a également des niveaux de concertation assez complémentaires avec un éclairage, en tout cas la vision qu'on a du CESE, c'est l'éclairage des politiques et le CNA, l'éclairage de l'action publique spécifique de l'alimentation. On a des points communs aussi en matière de développement de dispositifs de participation citoyenne. Et donc, il a été envisagé à travers les échanges des présidents et du CESE et du Conseil national de l'alimentation de travailler à une collaboration et de l'expérimenter, notamment dans le cadre des travaux en cours qui portent sur la territorialisation de l'alimentation durable, voilà, pour essayer d'être au plus proche des spécificités de l'alimentation, contexte de crise de confiance, articulation à de multiples politiques publiques. Voilà. Ce que je voulais souligner, c'est d'abord l'originalité de cette expérimentation de partenariat et combien elle apparaît à travers les travaux menés par le CNA et la réception qu'on en a eue ce matin en section, combien c'est fructueux, combien c'est extrêmement riche en qualité d'échange et combien, je l'espère, ça pourra constituer une première étape de qualité des relations que nous pourrons établir entre nos deux instances. Je pense que si on parvient à structurer et à développer cette collaboration, nos deux structures vont être mieux reconnues, l'une et l'autre, l'une avec l'autre, et on espère pouvoir porter plus haut la voix de la société civile et de ses acteurs auprès des acteurs publics. De riches échanges entre les deux organisations sur le sujet de
d'alimentation durable, favorable à la santé, ancrée dans les territoires, et surtout une attention partagée sur le suivi et un travail en continu pour que les pouvoirs publics puissent réellement prendre en compte cette construction de la vie collective issue d'une représentation de la société civile large et qui s'attache à rechercher des consensus et à identifier des dissensus qui permettent aussi d'avancer et de progresser dans la construction et le suivi des politiques publiques. Donc vraiment, nous on souhaite que ce soit une démarche suivie dans le temps et on va sans doute s'attacher à construire des éléments dans la vie pour que ça puisse se pérenniser. Ensemble, ça donne plus de poids. En tout cas, pour nous, le CNA, le fait que le CESE puisse prolonger, en fait, l'ouvrir, le traiter par votre tour de table, va contribuer forcément à trouver un écho avec ce que l'on fait, va donner du poids et donc va aller dans le sens de faire évoluer les pratiques, les actions.